Oh, bonjour. Dis donc. Bonjour à vous tous, merci d'être connectés ce matin. Le pépé boit son thé. Un peu d'exercice physique le matin. Après buvez une bonne boisson. J'ai une marque de thé que j'ai confectionnée, bon, que je commercialise par mes réseaux, et ça sera rendu public. Mais c'est fait à base de bonnes écorces de chez nous, hein. Bonne infusion. Mais comme aujourd'hui, on ne peut même pas partager le savoir avec les gens. Allez, bonjour, merci, bon réveil matinal. Voilà, je me suis levé. J'essaie de bien réajuster mon col. Je sais qu'on nous a dit de dormir. Je sais, je sais. Donc, dormez. Je ne vous brutalise pas ce matin. Mais je me permets quand même, avec ces chants de la tradition pure africaine, de vous dire merci d'être connecté pour ceux qui se réveillent à l'instant. Et nous avons la possibilité nous-mêmes de prendre les responsabilités d'éduquer, de soigner, de méditer, d'apprendre à notre peuple à avancer. La méditation, c'est ce qui fait reposer le cerveau sur le plateau. Voilà. Méditation fait reposer le cerveau sur le plateau. Il faut écrire ça quelque part. Moi-même, Dieu m'inspire parfois tellement que je me réveille avec des citations. La méditation. Méditation. C'est faire reposer le cerveau sur le plateau. Donc, si un peuple n'apprend pas à méditer, un peuple n'apprend pas à domestiquer la pensée, à rester tranquille pour réfléchir, ce peuple aura toutes les difficultés du monde. Alors, là, en fond sonore, vous avez les chants pygmées, comme on nous appelle, comme on appelle les Bantous de l'époque, mais il n'y a pas de pygmée. Ça veut rien dire être pygmée. Pygmée, ça veut dire être bakoko, être mon coco, être un ancien. Et les anciens, c'est ça qui domine aujourd'hui le domaine de la connaissance. Alors, donc, je suis fier donc de partager ces moments avec vous. C'est pour échanger, hein. Alors aujourd'hui, on parlera de tout, de spiritualité, de gratitude, de courage, de force, de leadership
Et surtout, j'ai posé une question tout à l'heure. Attendez que je revienne là-dessus. La question était simple. C'est à nous-mêmes qu'il revient de créer notre destin. D'accord? C'est à vous-même qui les choix de décider de ce que vous allez faire de votre vie. Vous voulez avoir une vie de réussite, une vie d'éclat. C'est à vous de vous lever, décarcasser, battez-vous, luttez contre vents et marées. Hein? Ne vous attendez à rien du tout de quelqu'un. Ne vous attendez pas à un ordre ni divin ni personnel. La vie n'est pas un jeu. Bonjour à vous tous. Bonjour à Landry Hervé Motapam, mon cher fils. Bonjour à Ambroise. Bonjour, c'est aussi mon fils Ambroise, brillant journaliste à BNews. C'est une chaîne là-bas au Cameroun. Merci à Chantal. Donc, parce que Chantal est une grande dame qui aspire aussi à la connaissance. Moi, je n'ai pas deux réflexes dans ma vie, c'est d'aller chercher, d'aller toujours fouiller. Et alors, le message de Chantal là est clair. Elle dit, bonjour mon pépé, quelle énergie. Mais bien sûr, l'énergie, c'est comme une batterie. Il faut la recharger. Vous avez des gens qui ont le téléphone toujours plein. Et vous avez des gens qui ont des téléphones toujours déchargés. Méfiez-vous de quelqu'un qui a un téléphone toujours déchargé ou qui est surpris quand le téléphone est déchargé. Ça veut dire que la personne ne se programme pas. Quand vous arrivez chez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Premier réflexe, est-ce qu'il y a une prise ici? Est-ce qu'il y a un courant? Deuxième réflexe, ah, est-ce que tu as le chargeur? Il y a un chargeur? Et troisième réflexe, ah oui, est-ce que je peux charger? Ça veut dire que nous tous, on est dans la logique urgente. Quand quelqu'un arrive déjà à ça, mais dès que tu le rassures, tu dis oui, il y a une prise, il y a un chargeur, il y a la lumière, tu peux charger ton téléphone. Il dit ouf. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on mange? Mais le premier réflexe, c'est où est la prise? Et quand il n'y a pas de prise, ou quand il n'y a pas de courant, quand il n'y a pas de chargeur, la personne est anxieuse. Imaginez donc que votre corps fonctionne aussi comme ça. Le matin, il faut charger le corps. Le matin, il faut nourrir le corps. Le matin, il faut nettoyer le corps. Le matin, il faut booster le corps. Alors, on booste le corps comment? On booste le corps par un réveil. Ne descendez pas du lit comme un fou. 5 minutes. Vous restez posé sur votre lit. C'est des enseignements simples, mais ça sauve la vie. Les gens font souvent des AVC en journée, ou bien toute la journée sont de mauvaise humeur, mais ils savent pas pourquoi. Ou bien toute la journée, rien de bien ne leur arrive. Ils ne savent pas qu'ils se sont levés du mauvais pied. C'est ce qu'on appelle se lever du mauvais pied. N'est-ce pas? Quand vous vous levez le matin, ne sautez pas du lit. 5 minutes. On reste les yeux fermés. On visualise. On planifie. On ouvre doucement les yeux, on se lève doucement, on va faire sa vidange, on va se... Voilà. On revient, étirement, petit exercice, deux petits trucs. Hop, 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 hop. Je pourrais vous montrer les séances. Je viens de finir ma séance de sport. Je fais 15-20 minutes. Et puis j'ai pris ma douche. Après la douche, vous vous habillez. Petit déjeuner, fruits, thé, comme vous voyez. Petit pain. Tartine, une boisson chaude, et puis, allez, départ. Pour ceux qui mangent le matin, moi je ne mange pas le matin, je ne suis pas de. Oh, parfois je suis comme un enfant, je me lève avec un truc là, hein. Quand un enfant a le cerveau qui. La tête qui est molle, là, on lui met le truc là. Donc, c'est des bénédictions divines. Donc ce que je voulais dire, c'est que vous vous levez le matin, vous êtes en paix. Vous êtes fort. Ces petits moments-là, c'est ce qu'on appelle la méditation. Et regardez comment ça change la vie. C'est pour ça que Dame Chantal disait tout à l'heure, quelle énergie! Waouh! En réalité, l'énergie, je l'ai. Je la revends. Ma batterie est chargée. Je suis positif. Je m'en vais à la conquête du monde. J'enchaîne deux, trois réunions ce matin. Et je peux vous garantir, je suis prêt à cogner dur et à aller arracher quelque chose, à me battre jusqu'au bout pour que je sois retenu, pour que je sois le meilleur, pour que personne ne vienne me raconter des salades. Personne n'a le droit de me raconter des salamalecs. Personne n'a le droit de venir me raconter ma propre histoire. Et c'est comme ça qu'on crée des vainqueurs. Salut donc à tous les champions qui sont connectés ce matin. Alors, j'ai posé une question tout à l'heure et j'étais en train de lire en même temps les réponses, mais vous allez être surpris.
Ah, mon direct est déjà partagé, hein. C'est incroyable. Mais faites-le, faites-le, c'est pas mauvais. Alors, dites-moi, comment faire pour que le continent le plus beau ne soit plus le plus fragile, le plus assisté, le plus en retard, le plus exploité, le plus esclavagisé, le plus soumis aux peurs, aux dogmes, à la religiosité morbide et ancrée au Moyen-Âge, que notre continent ne soit plus le plus violé? Alors, dites-moi. Alors, dans ce dites-moi, j'ai beaucoup de réactions. Mais je vais prendre les réactions de deux gars spécialement brillants qui sont docteurs dans leur domaine. Franck qui me dit, pour moi, la seule solution pour que l'Afrique ne soit plus violée, médiocre et dernière, c'est que les enfants de ce continent continuent de travailler et de créer de la richesse et l'émulation sur le continent de manière à créer un contrepoids aux difficultés apparentes. Sinon, ces dernières vont continuer de peser lourd sur la balance. Roméo me dit, le problème le plus... Le plus problème, plus ce problème est complexe, plus la solution est généralement plus simple qu'on le pense. Vous voyez comment un docteur réfléchit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème en réalité sans solution. Plus les problèmes paraissent complexes, plus les solutions sont souvent évidentes. Plus, quand vous savez, l'homme qui a créé la chaussure, parce qu'à l'époque, les gens avaient une sorte de grosse sandale, là, comme Jésus-Christ, de choses comme ça, là. On créait des trucs, on mettait les pieds. Ça avait la même forme. Et puis un matin, quelqu'un a dit non, on a deux pieds, un pied gauche, un pied droit. Il faut une paire de chaussures, donc avec différents types de pieds. Il a été pendu. Parce que c'est pas facile que ce soit si simple. Personne n'a jamais pensé à faire deux chaussures pour une paire. C'est-à-dire de comprendre que le pied gauche et le pied droit ne sont pas pareils, donc on peut fabriquer des différentes paires de chaussures en fonction du type de pied. Donc les enfants d'Afrique au XXIe siècle ont faim, donnons-leur à manger et le cerveau fera le reste. La solution, nous l'avons en nous, mais il faut déjà un ventre qui grince, pas la famine. Bonjour à vous tous, je suis très heureux. Le vendredi, c'est l'un des rares soirs où les habitants... Donc, je suis très heureux d'assister à cet échange avec vous ce matin. Faites-moi part de vos commentaires, j'en serai doublement heureux. Et surtout que c'est important de savoir ce que vous pensez, de savoir ce que les gens pensent. Et donc, j'étais en train de me dire que la gratitude, c'est une sorte de bénédiction. Soyez meilleur, soyez leader. Mais on ne crée pas un peuple avec les gestes, avec... Vous voyez, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé une jeunesse qui m'attendait. J'ai trouvé des gens formidables. Et si nous ne descendons pas sur le terrain, si nous n'investissons pas massivement sur les champs de la connaissance, les champs de la confiance, les champs du leadership, les gens ne vont jamais comprendre. Les gens ne vont jamais se développer. Les gens ne vont jamais prendre l'initiative. Vous savez, parfois les gens croient encore qu'il faut rester chez soi, croiser les bras, Dieu fera le reste. Chez moi, on dit Loba Namsei, Loba Atate. L'Oba ne sera pas là. L'Oba Ndedi, c'est pas vrai. C'est vrai dans une certaine mesure, mais il y a une part de l'homme qui doit s'assumer, qui doit définir sa trajectoire, qui doit prendre en compte sa difficulté, qui doit mesurer l'importance de sa vie. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on devient libre, grand, fort et solidaire. Pourquoi le peuple africain est souvent... Ou bien pourquoi les faibles sont souvent les plus faibles? Parce que dans cette Afrique, il y a beaucoup qui profitent. Dans cette Afrique-là, ceux qui dirigent là, ceux qui ont les budgets, ceux qui ont l'argent facile, ceux qui mangent, ceux qui volent, ceux qui détournent l'argent des hôpitaux, ceux qui tuent, ceux qui pillent, ceux qui violent les enfants, ceux qui ne payent pas
les employés, les domestiques, ceux qui volent tous les budgets des ministères, ceux qui s'enrichissent, eux, ils n'ont pas de problème, ils reviennent acheter des maisons à Paris, à Londres, en Suisse. Mais c'est pour ce petit peuple qui est dans une sorte d'incapacitation à se reprendre en charge, qui a matière à donner de l'intelligence. Regardez aujourd'hui, même sur la scène politique, il n'y a pas de leader véritable qui se dégage. Nous sommes un continent en panne de tout, même de leadership. Et il ne peut pas avoir de leadership de qualité si le peuple n'est pas de qualité. Vous aurez un leadership de la médiocrité. Je me rappelle une fois, j'ai suivi une conversation au Cameroun où les gens disaient, oui, mais Pépé, toi tu nous amènes tes idées, les robes. Nous, on veut un gars qui est comme nous. On veut, mais vous ne pouvez pas avoir le leadership de progrès si vous avez quelqu'un qui est comme vous, c'est-à-dire à votre niveau, qui est médiocre, qui n'a pas de vision. Et c'est ça la panne des pays africains. C'est-à-dire les gens croient qu'en politique, on préfère celui qui a la même idéologie villageoise que nous. On préfère celui qui a faim, dans tous les sens du terme. On préfère le maigrelet, le maigrichon. Le petit, celui qui ne va pas nous déranger, celui qui ne nous éblouit pas par sa pensée. C'est pour ça que quand je vous parlais des pays africains qui sont quand même, qui se démarquent, c'est que quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous trouvez des gens qui ont envie de s'ouvrir au monde. C'est aussi simple que ça. Le développement, c'est l'ouverture au monde. La volonté de travailler ensemble. C'est-à-dire, il n'y a pas de capacitation à fuir ce qui est beau. N'est-ce pas? Merci d'être connecté. Merci de partager. Je sais qu'il est très, il se fait, il est quelle heure? Je sais pas. Il est 7 heures à peine à ma montre. Les gens ne sont pas habitués, mais ceux qui me connaissent savent qu'on fait des directs la nuit, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Bref, chaque fois que la connexion est possible, nous devons gagner un bout de territoire pour chasser un peu d'idiotie. N'est-ce pas? Alors, je vais vous faire une confidence. On ne peut pas se développer. On ne peut pas se développer si on ne s'applique pas des théories rigoureuses de management. Il faut un rigorisme kantien. Il faut un rigorisme managérial. Il faut une volonté terrible de s'en sortir. Il faut ce qu'on appelle un principe d'opportunité. Il faut être au courant. Quand vous lisez un Bible, voilà le Coran, hein, expliqué, évidemment. Et le Coran définit ces sens humains fondamentaux et essentiels dont dépend la perception de la vérité. Il dit dans des termes précis, c'est Dieu qui a fait naître, c'est Dieu qui a donné lui la vue, le cœur. Et cependant, vous le remerciez rarement. Quand les gens n'ont pas la pensée, vous allez mourir dans la pensée des autres. Je lisais un livre qui s'appelle le Talmud tout à l'heure, et il est très violent. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas. Vous savez, quand j'étais en Côte d'Ivoire, beaucoup ont cru que j'étais pasteur. Beaucoup, parce qu'ils ne sont pas habitués. Je rêve de ce jour justement où l'Église sera remplacée par les cités de la science, les cités du savoir. Je rêve de ce jour, parce que c'est comme ça que progressivement l'Europe s'est développée. Ne croyez pas qu'on s'est développé en maintenant les dogmes. Aujourd'hui, les cathédrales sont devenues des musées. Aujourd'hui, les grandes paroisses sont devenues des bibliothèques, des restaurants, des discothèques, même en Allemagne et partout. Parce que, en réalité, la pensée évolue. Une pensée qui n'évolue pas est une pensée qui meurt. Le spirituel, Dieu, l'entité est toujours là et les églises monothéistes s'en chargent. L'homme et ce lien avec la spiritualité sont forts, mais l'évolution du monde permet qu'on ne puisse plus croire aux mêmes choses dont on croyait au Moyen Âge. Mais quand vous regardez aujourd'hui en Afrique, c'est des thèmes qui font peur à aborder, les gens ne veulent pas se risquer là-dessus, mais vous ne pouvez pas vous développer
si vous avez encore la conception moyenâgeuse du monde. Parce que le monde évolue tous les jours. C'est comme un enfant. Il naît, il grandit et les choses changent autour de lui. Le corps aussi change. C'est-à-dire, c'est les trois grandes lois de la vie. Un, la loi de la gravitation. Deux, les lois électrostatiques. C'est-à-dire, les forces se neutralisent. Et trois, les forces nucléaires. Voilà les trois grandes forces. Ça, vous l'apprenez partout. Il y a dans les forces donc de la gravitation le fait que nous tournons et les choses aussi tournent. Nous bougeons, les choses bougent. We move and things move around. C'est-à-dire que il faut apprendre à nos enfants, à nos jeunes frères et sœurs, que la vie n'est pas statique, la vie n'est pas figée. La gravitation, ça veut dire que tout est en marche. Quand vous vous levez le matin, mettez-vous en marche. Même si vous avez faim, même si vous n'avez pas espoir, mettez-vous en marche, les amis. La gravitation, ça veut dire que tout est en mouvement autour de vous. Le corps change. Chaque jour, un poil blanc naît. Chaque jour, la calvitie. Chaque jour, chaque fois que vous faites un anniversaire, vous allez vers votre tombe. Chaque fois que vous vivez, chaque fois que vous vous réveillez, vous dites merci à Dieu parce que vous êtes encore vivant. Il a prolongé votre carte de séjour. La seule carte de séjour valable, c'est celle que Dieu vous signe. C'est la vie. Mais la vie peut s'accorder par nous-mêmes aussi en préservant justement cette vie. Pas d'accident. On évite les accidents. Regardez les nouvelles voitures aujourd'hui. Vous avez l'airbag, vous avez le volant confortable qui vous parle, vous avez le siège massant, vous avez la limitation de vitesse. Tout ça, c'est pour que vous voyagez aussi longtemps possible sans être fatigué. Vous arriverez à bon port, mais sans être fatigué. On fait 6 heures de route aujourd'hui sans se reposer. Parce que la route est bonne, il faut beaucoup de facteurs. C'est ça la gravitation. C'est-à-dire, il faut que tout autour de nous s'assemble, que les conditions soient belles, que les choses se décrivent par elles-mêmes, que nous découvrons le paysage. Quand vous menez un voyage, comme on mène souvent dans nos villages en Afrique, où la voiture, c'est une vieille Savième de 1970, le moteur est trafiqué 100 fois, les pneus sont usés, la route est cabossée, les gens sont assis 5 par siège, vous ne pouvez pas déguster, vous ne pouvez pas avoir le plaisir. Et Dieu ne peut pas être présent. L'accident arrive souvent. Parce qu'on route, on veut vite rouler, on n'a pas de route. On veut vite freiner, on n'a pas de frein. On veut vite arriver et on n'a pas d'assurance. On n'a pas de visibilité. Donc la vie, donc, pour avoir une belle vie, les frères et sœurs, ayez une vie confortable. Même dans la petite pauvreté. La pauvreté, c'est une vision de l'esprit, surtout matérielle. Je n'ai jamais vu un milliardaire finir 10 plats de langoustes ou de langoustines. Nous tous, nous mangeons la même chose. Nous tous, nous avons la même respiration. Nous tous, nous avons les mêmes moyens de vie. C'est peut-être le confort qui va changer, mais même chez les gens qui n'ont rien, il faut vivre proprement. Faites votre ménage. Arrangez votre maison. Arrangez votre bibliothèque, nettoyez, balayez, lavez vos habits, enlevez la poussière. Est-ce que ça va? J'espère que vous me suivez bien ce matin. Alors, donc, je disais donc que les trois grandes forces. Ah, j'ai beaucoup de messages ce matin. Dis donc, j'ai des messages qui arrivent. Ben, je suis très fier, hein. Vous savez, beaucoup de gens, chaque jour, c'est comme si les gens me découvrent. C'est ça qui me rend un peu heureux, mais en même temps, je dis, mais il faut combien d'années pour qu'on découvre des gens qui font du bien à la communauté? Il faut combien d'années pour être au courant de ce qui est bien pour vous? N'est-ce pas? On va dire bravo à Cédric, la star, Lélé, bonjour à vous tous. Je suis d'autant plus ravi que vous êtes en train de partager le direct. Donc, je disais que les trois forces
Après, il y a les forces électrostatiques, dont tout s'équilibre, tout se neutralise. Vous avez ces forces-là qui trouvent toujours une autre force en face. Alors, vous ne pouvez donc pas être victime de votre pauvreté. Vous ne pouvez pas être battu tout le temps. Vous ne pouvez pas être esclave tout le temps. Je ne sais pas quel philosophe a développé la dialectique du maître et de l'esclave. Ça veut dire que c'est qui? C'est Kant? Vous savez, ça fait longtemps. La dialectique du maître et de l'esclave. Je vous explique ce que c'est. Ça veut dire que, à un moment de votre vie, vous avez par exemple une domestique. Et c'est la domestique qui fait tout pour vous. Elle prépare le repas, elle prépare les enfants, elle lave la maison, elle apprête le dîner, elle fait tout. Et vous finissez par être dépendant de votre domestique. Et il arrive donc un moment dans la vie où la domestique commence à imposer ses lois. Parce que quand elle ne vient pas au boulot, elle sait que vous ne pouvez pas manger. Quand elle n'est pas là, elle sait que vous ne pouvez pas prendre votre bain. Quand elle n'est pas là, vous ne pouvez pas plier vos vêtements. Vous ne pouvez pas vous prendre en charge. Et cette relation-là aura tendance à s'équilibrer parce que vous devez la revaloriser. Donc vous devenez esclave de votre esclave. Et l'Afrique ne peut pas se développer. Parce que nous sommes encore esclaves de nos esclaves vagistes. Nous n'avons pas su transformer cette dépendance à nos matières premières, à notre sous-sol, à nos enfants en force. C'est-à-dire l'autre continue de vous exploiter en vous faisant croire que vous n'êtes rien. On continue de faire venir nos enfants par le désert, comme des esclaves, et on vous fait croire que c'est leur immigration qui pose un danger. C'est une aberration. Ceux qui connaissent l'Italie savent que tout le monde a fui le sud de l'Italie. Il y a des villages africains en Italie aujourd'hui où tout le monde est noir là-bas. Il y a la famine, les sociétés sont vieilles, les Italiens n'accouchent pas, les Occidentaux en général, et ces gens-là, des villages entiers se sont vus dépeuplés et abandonnés. Et c'est les Africains qui sont arrivés là. Ils ont commencé à cultiver les choux, la patate, les vignes, faire le fromage et à apprendre à être maire, à développer leurs services. C'est l'immigration qui a toujours sauvé l'Europe. Vous arrivez en Espagne, dans le sud, en Andalousie, là-bas. Vous trouvez des populations vieillottes, vieillissantes, faibles, et c'est encore les Africains qui viennent faire des enfants et peupler. Peut-être c'est parce qu'ils sont noirs qu'on les méprise, mais c'est eux qui font vivre ces peuples-là. Et ceux qui connaissent d'ailleurs l'histoire de l'Espagne savent que l'Espagne est arabe, arabo-persane. L'Espagne a toujours été un territoire arabe. Et que les Arabes sont arrivés en France, même jusqu'à Poitiers. C'est eux qui ont dominé leur civilisation, l'algèbre. Algèbre vient de un mot arabe qui veut dire mathématiques, le savoir. Et donc, l'esclave finit toujours par devenir le maître. Et moi, je crois en cette Afrique qui va dans 100 ans, 200 ans, doubler sa population. Et cette population aura tout sur place pour vivre. Et cette population aura la chance de ne pas mourir des virus, des épidémies et des maladies. Parce que, voyez-vous, il y a un facteur spirituel fort en Afrique qui fait qu'elle a toujours été préservée. 400 ans d'esclavage, 2 siècles et demi de néocolonisation et de colonisation et de post-colonisation. Mais les gens sont toujours là. La jeunesse est forte, les gens se battent par tous les moyens pour s'en sortir. Il n'y a personne qui ne fait rien en Afrique en réalité.
Mais c'est pour ça que ce n'est pas vrai de toujours dire qu'on est des fainéants, on est des ceci. Mais il faut juste que l'Afrique soit connectée au reste du monde. Il faut que la jeunesse africaine soit connectée au reste du monde. Et c'est ce que je dis dans un livre que j'ai commis là. Ça nous encourage même pas à beaucoup écrire. Parce que... Regardez ce que je dis. Ne zappez pas. Je sais que vous n'aimez pas la lecture. Je lis pour vous. N'achetez pas les livres. Laissez-moi au moins lire un extrait. Lorsqu'il s'agit du jeu des intérêts colossaux, vous comprenez pourquoi l'Afrique est à faune et sans voix. L'Afrique n'a pas de place dans le jeu des nations. Regardez, la Russie va se réunir avec les États-Unis, dont Joe Biden et Poutine. Joe Biden et Poutine, les forts ne peuvent pas être des ennemis. Les forts se méfient entre eux, mais ils ont des accords souterrains et ils se respectent. Mais le fort ne s'assoit pas. Biden ne va pas s'asseoir avec le président du Yémen. Biden ne va pas s'asseoir avec le président du Niger. Jamais. Il va pas faire un sommet États-Unis-Niger, États-Unis-Cameroun, États-Unis-Gabon. Mais Biden va faire un sommet avec Poutine. Et ce sommet-là implique la conduite du monde, parce que le monde est en guerre. Vous avez d'un côté les États-Unis avec leur petite fille, l'Europe. Et encore que c'est paradoxal, c'est les États-Unis qui sont aujourd'hui maîtres de l'Europe à travers l'OTAN, mais c'est l'Europe qui a créé les États-Unis, dont l'Angleterre a créé les États-Unis en réalité. Aujourd'hui, les États-Unis s'alignent derrière l'Europe. Et les Européens qui ont créé les États-Unis, entre guillemets, sont derrière les États-Unis pour faire front commun contre la Russie et contre la Chine. Et l'Inde s'aligne aussi. Mais l'Inde est une puissance. L'Inde, le Brésil, c'est ce qu'on appelle les cinq pays émergents et forts. Alors, dans le monde est segmenté comme ça aujourd'hui, disons en trois blocs, vous avez les États-Unis et l'Europe dans l'OTAN, vous avez la Russie, qui est un continent puissant, même s'ils n'ont pas l'économie qui va avec, ils ont la structure, ils ont l'armement, ils ont la pensée. Et puis vous avez la Chine qui derrière elle aligne aussi tous les autres pays asiatiques, Corée, et tout ça là, Japon même. Et ces pays-là, enfin le Japon est plus derrière les États-Unis, mais le Japon est d'abord aussi asiatique. Et l'Afrique, on ne cite pas l'Afrique là quelque part. C'est pour ça qu'il y a une malhonnêteté. Vous voyez comment les chefs d'État les plus puissants se retrouvent en ce moment. Ils sont à Londres et ça fait pitié. L'Afrique n'existe pas. Parce qu'elle-même ne veut pas exister. Mais l'Afrique aussi peut décider de faire un sommet africain. On a libéralisé le commerce en Afrique, mais on ne voit pas sur le terrain. Ça veut dire, je suis ivoirien, je veux vendre mon cacao au Bénin. Il y a toujours les taxes douanières, il y a toujours les impôts et les policiers partout qui contrôlent sauvagement le peuple. Les gens ne se déplacent pas. Vous avez un marché en Afrique de 2 milliards d'individus qui consomment, mais ils ne peuvent pas acheter entre eux. Tout le monde va acheter le riz, tout le monde va acheter le sel, tout le monde va acheter ceci au Brésil, en Chine, en Inde, en France, etc. Donc voilà un peu ce que c'est, ce que c'est. Voilà ce que nous sommes. Donc, et c'est pour ça que je disais, ceux qui véritablement peuvent parler pour elle, donc pour l'Afrique, n'ont aucune visibilité, ni en Afrique, ni nulle part ailleurs. Car même ceux très nombreux restés sur le continent, ces crèves-misères, au col de chemise délavé par la poussière et le soleil, n'ont qu'une seule issue, chanter les louanges du palais pour le compte de leur patron sans scrupule, un genre de goguenard hilar devant une simple lettre de l'alphabet. J'en connais particulièrement un qui n'arrive même pas à remplir son chéquier
de son propre patronyme, mais qui brasse des milliards au nom de la libération du continent. Ainsi va la vie sur le continent. Vive le panafricanisme et tutti quanti. Je rêve. Les panafricanistes veulent défendre quel continent quand ils la traitent, quand la traite continue, quand nous sommes encore plus méchants et bêtes que ceux qui nous ont donné tant de coups de chicotte aux fesses, cette endocolonisation. L'endocolonisation, c'est la colonisation de nous-mêmes par nous-mêmes, hein? Comme disait le prince Dikaakwa. Cette colonisation qui nous empêche de nous redéfinir, de sortir de la spirale infernale de la domination et de l'influence des autres. Notre culture et surtout notre spiritualité payent un lourd tribut et aucun arbre ne saurait se développer par les feuilles, encore moins par les branches. C'est de la racine qu'elle tire sa sève. Et perdre ce précieux suc ou se faire injecter la sève par d'autres ne saurait être une équation viable pour la survie de l'arbre. Que s'est-il réellement passé pour que nous soyons largement vaincus? Étions-nous si faibles? Tout laisse à le penser, même si aujourd'hui encore j'entends souvent nos panafricanistes faire l'apologie d'un passé lointain et glorieux. Oui, je veux bien croire. Et d'ailleurs, j'y crois. Mais qui suis-je, moi, pour faire autrement? Mais, justement, je voudrais que tout Toutankhamon se réincarne en chacun d'entre nous. Car on ne peut pas avoir bâti des pyramides à l'époque où la grue n'existait pas avec des pierres qui pesaient 10 tonnes et les mettre à 3000 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, comment pouvons-nous nous retrouver dans des huttes en feuilles et en carton, dans des bidonvilles archibondées? Notre fragilité vient du refus de nous assumer d'être intelligents parce que l'autre l'a décidé et nous a décerné son fameux parchemin. Ah ah! Nous devons prendre la responsabilité historique donc d'avancer. Ce que j'ai laissé, parce que je viens du continent, ce que j'ai laissé en Afrique me laisse voir que les gens ont besoin des repères. Les gens ne sont pas bêtes, ils sont pas pauvres. Ils ont besoin de confiance. Ils ont besoin d'être mis au travail. Ils ont besoin d'être guidés. Le peuple a besoin d'être coaché. Le peuple a besoin d'être managé. Le peuple a besoin d'être éduqué, le peuple a besoin d'être tenu par la main. Même ici en Europe, même au Canada, même en Occident, les gens se battent. Mais ils se battent dans des systèmes qu'ils ne comprennent pas. Ça s'appelle la quadrature du cercle. Ça s'appelle la quadrature du cercle. N'est-ce pas? Il faut former des leaders. Des leaders qui vont former des managers. Et ça, c'est un problème en Afrique. Ça, c'est un problème. Il faut former des leaders qui vont former des managers. Des managers qui vont former des gens libres. On ne peut pas être heureux si on n'est pas libre. On ne peut pas être heureux si on n'est pas fort. On ne peut pas être fort si on n'est pas formé. Écrivez ça, s'il vous plaît. Parce que j'ai constaté qu'il y a un phénomène, dès que quelqu'un veut s'émanciper, veut être formé, fort, puissant, même la communauté le rabaisse. Même la communauté n'est pas d'accord. On n'aime pas les gens forts. En Afrique, il ne faut pas être fort. Les Noirs ont cette maladie de détester ceux qui travaillent. Ils aiment ceux qui
vivent de leur propre travail, du travail du peuple. Ils aiment ceux qui volent, ils aiment ceux qui trichent, ils aiment ceux qui n'ont pas de talent. Ils n'ont pas de talent. Alors, je ne sais pas comment on peut bâtir un pays sans talent. Je ne sais pas comment on peut bâtir une nation sans force. Je ne sais pas comment on peut bâtir une nation demain sans leader. Je ne sais pas comment on peut bâtir une nation en allant à la compétition avec des gens qui dominent l'atome, qui développent les services futurs. Comment faire pour que la part de la souffrance mécanique soit permanente? En Afrique, il faut arriver à un stade où le cerveau, il faut que les Noirs comprennent ça définitivement. Personne là-haut ne viendra vous sauver. Ça sert à rien. Et je venais de le dire, je rêve d'un jour où ces églises seront remplacées par des cités de la science, des cités du savoir. Et j'essayais de vous expliquer comment la pensée a fait pour évoluer en Afrique. On est arrivé jusqu'à séparer l'église de la société, de la nation, l'État. On est arrivé jusqu'à mettre les priorités de l'homme sur son développement personnel et collectif. On a compris que ces choses abstraites, immatérielles, le bien-être au ciel, tout ça, c'est les histoires qu'on raconte au bébé au moins un, même à la cille et à la maternelle. Maintenant, il faut que l'homme entre dans l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire qu'il devienne patron de lui-même. Et malheureusement, ce discours-là ne peut pas encore passer chez nous parce que les gens chantent à tue-tête. Les gens chantent des louanges, des choses qu'ils ne connaissent pas à tue-tête. C'est en Asie. C'est-à-dire, il faut prendre le temps d'expliquer les fondements de la spiritualité et de la religion aujourd'hui. C'est la Mésopotamie qui est à la base de la religion chrétienne. Mésopotamie, c'est évidemment les territoires entre deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Donc toute la région de Ninive qui est à Bagdad aujourd'hui. Donc ces gens-là sont partis des savoirs qu'ils ont pris de l'autre côté, de la Haute-Égypte. La Haute-Égypte qui est africaine, qui est nubienne, qui est éthiopienne, éthiopique. Donc, ils ont retranscrit tous les écrits, ils ont matérialisé, et puis ils ont développé une religion qui a été aussi arrachée par un des juifs gréco qui s'appelle Paul, qui a fait des évangiles, la Bible est créée comme ça. Les gens ne savent même pas comment la Bible a été créée, par exemple. Mais il faut savoir que ça a toujours été un vol de civilisation, un vol de culture. Le vol n'a pas commencé aujourd'hui. Mais quand la civilisation arrive donc en Judée, les gens la prennent là-bas, les Grecs, les Romains vont la piquer et la ramener ici de ce côté en Europe. Et de là, on va essayer de la disséminer partout. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est où est notre part de compréhension dans ce que l'autre veut nous apporter. Est-ce qu'on comprend même ce que l'autre veut nous apporter? Est-ce qu'il ne veut pas nous occuper le cerveau? Et aujourd'hui, donc, le savoir est intégré dans la spiritualité. Le savoir, c'est libérer les gens. Ce n'est pas endormir les gens. Quand quelqu'un passe le temps à endormir une communauté religieuse, à endormir les gens, il devient un gourou, un marmailleur, un pernicieux, un voleur. Et là, l'Africain ne peut pas faire le discernement. La plupart des temps, les gens n'arrivent pas à faire le discernement entre la spiritualité qui élève, qui libère, et la spiritualité, entre guillemets, qui détruit, qui avilise, qui empêche de se réaliser, qui fait pleurer et pleurer. C'est-à-dire une victimisation barbare et sauvage. Il faut que les énergies, il faut que les gens soient libres. Il faut que les gens soient conscients de leur force. Et malheureusement, ce n'est que la science, la connaissance, c'est l'éducation qui tue la bêtise. Vous croyez que la vie est si facile? Vous fuyez, vous ne pouvez pas lire un livre. Vous allez là-bas, quelqu'un va vous expliquer ce que lui, il a entendu du livre qu'il lui-même ne comprend pas. Donc, conséquence, vous allez aller reproduire ce qui n'existe pas.
Et c'est pour ça que nous sommes sous-développés. Donc ça, c'était le Moyen-Âge. Et ce combat-là en Europe a été réglé. On a mis les académies, on a créé les sciences, on a créé l'école, l'université, les centres de réflexion. Et c'est là où les gens ont commencé à libérer le cerveau pour remplacer les mains par le cheval, par les vaches, par les ânes. Et puis on a remplacé par le moteur. Le moteur a libéré l'homme. Et aujourd'hui, nous entrons dans une autre phase où c'est le cerveau qui doit être libéré maintenant de la réflexion. C'est-à-dire des choses mécaniques. Je peux enregistrer mon discours, je le pose là, et il joue pendant 1000 ans. Et vous payez. Donc, on va aujourd'hui dans le droit d'auteur. Dieu nous a signé l'acte de naissance. Dieu nous a libérés. C'est Dieu même qui nous a libérés. Et il faut que les gens le comprennent. Dieu a permis qu'on soit là. Il n'y a pas, quand les gens font, c'est-à-dire aujourd'hui, la bêtise, c'est de faire croire aux gens que vous serez punis si vous êtes intelligent ou si vous n'allez pas. Non. Dieu, parce qu'il est Dieu, il est une succession de forces harmonieuses, il nous a permis de prendre le pouvoir d'exister par nous-mêmes. Aujourd'hui, on écrit. Les gens fabriquent les avions, les gens fabriquent les télévisions, les gens fabriquent les ordinateurs, les gens fabriquent encore. Chaque jour, on crée, on avance, mais c'est Dieu qui nous a créés. Nous avons évolué, nous avons ceci, nous sommes plus intelligents, mais il y a une force qui a permis qu'il y ait cette réaction. Ça ne peut pas être hasardeux. Quand vous regardez comment le corps humain est constitué, vous découvrez cette belle machine. Le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, toutes ces choses-là sont tellement bien agencées dans le corps que ça ne peut pas être un hasard. C'est d'une beauté, une perfection. Le cerveau, il est emballé, tous les neurones, tout, c'est-à-dire tous les faisceaux, le corps humain est l'aboutissement de la création de Dieu. Et donc, on ne peut pas dire à un être humain qui est déjà né qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Et c'est encore ces petits débats pauvres et de misère qu'on a en Afrique. Et malheureusement, les gens qui ne connaissent rien de la croyance ni de la puissance de la spiritualité sont devenus des apôtres, des évêques, des pasteurs. Et les gens laissent volontairement l'Afrique être dirigée par les ignorants. Et c'est valable en politique. C'est valable en économie, c'est valable en science, c'est valable en tout. Il faut donc qu'on remette l'ordre et le mérite. Vous savez, j'étais dans un vol Air France, et quand on atterrissait, puisqu'on était, il y avait beaucoup d'Africains, évidemment, quand on a atterri à Abidjan, les gens se sont mis à applaudir. Tous les Africains qui étaient là se sont mis à applaudir parce qu'il y a eu un peu de secousse. Alors je me suis dit, et il y avait une maman là à côté de moi qui ne cessait de prier. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Si on applaudit à l'atterrissage d'un avion, vous imaginez ceux qui vont donc sur Mars, sur d'autres planètes, les Thomas Pesquet, hein? La gratteuse d'auto a dit que j'aime beaucoup Thomas Pesquet. Si c'était mon fils, je l'adopterais. En réalité, vous voyez que nous sommes encore au niveau de la peur de l'avion qui atterrit, pendant que les autres n'ont pas peur d'aller sur la planète Mars, Saturne, Pluton, Neptune. Nos ancêtres ont maîtrisé le système solaire, les astres. Et aujourd'hui, les petits-enfants sont apeurés quand l'avion atterrit. Parce que ce n'est pas nous qui avons fabriqué l'avion. Parce que nous avons peur. Vous ne pouvez pas avoir peur de ce que vous maîtrisez. L'atterrissage de l'avion, les gens applaudissent et prient. Merci Dieu. Mais c'est les hommes qui ont créé quand même, non? Et le créateur de l'avion. Et pendant l'avion, pendant le vol, je voyais comment les secousses, quand l'avion tangue, le pilote vous dit, et son copilote vous passe un message, attention, nous traversons une zone de turbulence.
mais nous allons y arriver. Donc calmez-vous. Asseyez-vous, redressez vos dossiers, serrez votre ceinture, mais n'ayez pas peur. Parce que la science aussi, c'est un langage codé de Dieu. Et tant que l'Afrique ne maîtrise pas ça, tant que c'est les muscles qu'on fait prévaloir, on va nous utiliser comme des esclaves. Il n'y a pas deux solutions. Tant que la tête est endormie, tant que le cerveau ne bouge pas, quels que soient nos diplômes, d'ailleurs, qui est plus diplômé que les Africains en ce moment? Mais on fait quoi? Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? C'est Kofi Annan qui disait que « Even united, you are nothing. Divided, I can imagine. » C'est même uni, on n'est rien. Alors divisé, je ne peux même pas imaginer. Et il en est mort. Il en est mort de chagrin parce que même aux Nations Unies, il n'arrivait pas à trouver une réunion. Il a fait recruter des cadres africains noirs. Il n'arrivait pas à trouver des noirs qui montent des projets sérieux. C'était pour acheter les armes. Donc pendant que l'avion est en pleine turbulence, le pilote est serein. Parce que la science, il a confiance. On a confiance. La vie d'on doit être comme ce pilote, comme l'avion qui a des zones de turbulence, mais tu ne tangues pas, tu ne bouges pas. Nous, dès qu'on t'effraie un peu, tu fuis. Dès que tu effraies un peu un jeune noir, il fuit. Dès qu'on lui refuse un appartement, il pleure. Oh, le racisme! Dès qu'il vient livrer les pizzas, on le fouette, il pleure. Oh, on m'a tapé. Dès qu'on fait ceci, oh, les autres, les blancs ne nous aiment pas. Oh, nous sommes ceci. Même dans leur propre pays, même dans leur propre continent, ils continuent de se plaindre en victime. Je vous ai expliqué l'origine des religions qui vient de la religion chrétienne, vient de l'Égypte. Allez lire les savoirs pointus d'Osiris. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça, ça nous perd le temps. Les Théophile et Benga sont plus qualifiés, c'est des maîtres. Alors, donc, regardez comment on vole. Le monde part toujours du même principe. C'est ce triangle-là, entre les trois mondes. On vole toujours, on amène, on change, on emballe, l'autre revient, il vole, et puis ça revient chez toi. C'est à toi de profiter. Donc le savoir est fait pour que le monde entier en profite. Même la religion, on peut mieux l'outiller, mieux l'adapter, mieux la réécrire, mais en autre façon. Quand je suis rentré de Côte d'Ivoire, premier réflexe, j'ai commandé du chinois, un menu chinois. Et je peux vous garantir, vous devez partager, c'est des enseignements, hein, c'est des enseignements universitaires poussés, hein. Mais moi, je fais l'université pour tout le monde. C'est ça, Akeva. Akeva, c'est une église, mais de l'intelligence. Une église du savoir. C'est pas une secte. Ouais, je vends rien. Voilà. C'est une église de la démocratisation de savoir. Je veux pas les gens bêtes à côté de moi. Voilà. On ne doit plus être bête, hein. C'est un terme que mon partenaire n'aime pas trop, mais je suis obligé de dire ça comme ça. Alors, je suis rentré, j'ai commandé chinois. Ça m'a pris 60 euros. Alors, quand ils arrivent avec leur chinoiserie, leur repas chinois, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a même finalement de chinois ici? Ils ont pris des crevettes, ils ont emballé avec la pâte. Ils appellent ça les nem. Et ils mettent une sauce, ils mettent le vinaigre, ils mettent un peu de truc et on trempe. Ils disent que c'est chinois. OK. Ça ne vient pas de Chine. Ils achètent ça ici à Rungis. Ils amènent leurs nouilles. Les nouilles, c'est pas chinois. N'est-ce pas? Ils amènent le riz et les petits pois. Vous croyez que les petits pois ont pris l'avion de Chine? En réalité, ils nous vendent un rêve de leur culture qui n'est en réalité pas leur culture, puisque tout le produit, ils achètent sur place et ils emballent juste. Donc, c'est le conditionnement qu'on appelle la richesse. Et l'Afrique doit se battre pour être dans le conditionnement, savoir emballer ses idées. J'ai un frère qui a ouvert un restaurant français
aux États-Unis. Et là, il n'est plus anti-français. Non, Donc, il a ouvert un grand restaurant français, mais aux États-Unis. C'est un noir, c'est un Africain. C'est de l'intelligence. Vous croyez que les produits qu'il vend là-bas sont français, étant aux États-Unis? Et pourquoi lui, le noir, ne vend pas, ne crée pas un restaurant de son village? En réalité, nous reprochons aux Occidentaux ce que nous n'arrivons pas à faire nous-mêmes. Le monde est ouvert. Nous avons des enfants qui grandissent partout dans le monde. Nous ne devons pas faire en ce qu'ils aient peur d'affronter le monde, en les enfermant, en leur disant que non, l'autre ne nous aime pas, il y a le racisme. Quand les jeunes sont entre eux, ils ne font pas le racisme. C'est plus ou moins quand ils sont forts ou faibles qu'ils déterminent leur volonté de réussir. Et c'est ça qu'on amène dans les enseignements. C'est pour ça que j'ai créé l'Académie de la vie augmentée, parce que je sais que nous pouvons être puissants. C'est pour ça que j'ai créé Akeva Bank. Akeva Bank qui permet aux uns aux autres aujourd'hui de réaliser leur vie, de se projeter, de se dire, personne n'a besoin de cotiser pour nous. Nous avons besoin de cotiser et de garder nous-mêmes notre épargne. Alors, pour évoluer dans la vie, j'ai toujours relaté ces mêmes 7 points. C'est moi qui ai écrit, hein. Donc, n'ayez pas peur. J'écris ça tout le temps. Vous ne pouvez pas réussir si, après, je vous donne ces 7 points-là et puis vous notez ça quelque part et puis on avance. Vous ne pouvez pas évoluer demain si vous êtes dans la jalousie. Évitez la jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi. On refuse d'avancer. On envie l'autre. On trouve que l'autre a tout. On trouve que l'autre est fort. On trouve que l'autre nous dépasse. On trouve la jalousie, c'est même un complexe d'infériorité. Et comment avoir l'estime de soi? Ben, il faut lire. Comment avoir la confiance en soi? C'est avoir l'estime de soi. Ayez confiance en vous. C'est des livres que les autres écrivent. Et nous, on a lu ces livres-là il y a 30 ans. N'est-ce pas? Mais qui va vous apprendre à avoir confiance en vous? Ça ne se dit pas comme ça. Vous ne pouvez pas vous lever le matin. J'ai confiance en moi, mais on va vous taper. On va vous taper comme un malade. La confiance en soi est un processus. C'est une étude personnelle en sachant déjà mesurer ses forces et ses faiblesses. Quand tu as confiance en toi, tu sais où est ta force, où est ta faiblesse. Donc quand on t'attaque sur un domaine où tu es faible, tu évites et tu amènes le gars vers le côté où tu es fort. C'est ça le principe même du judo et des arts martiaux. Alors, deuxième truc que vous devez apprendre, c'est la notion de l'impermanence, la vacuité. Il faut savoir qu'il ne faut pas rester accroché aux petites choses. Quand vous arrivez dans nos villages, vous voyez comment les gens s'accrochent aux petites choses. Dans nos pays, à la tête de nos pays. Nos pays sont déjà là comme le Togo, des petits pays comme les galettes. Et vous trouvez des gens qui s'accrochent là-dessus au lieu de libérer leur peuple. Ça s'appelle la vacuité. Vous avez déjà vu dans les cités africaines comment les pauvres déménagent. Ils ont un vieux matelas plein d'urine. Ils ont une petite bouteille de gaz, un réchaud, un ventilateur cassé. Ils attachent ça derrière une moto. Pour eux, c'est leur héritage. Si tu leur dis, et je me suis souvent amusé à le faire. D'ailleurs, un jour, j'étais assis à Bounamoussadi, c'est à Douala, et puis je vois des jeunes, un jeune qui est en train de pousser son déménagement. Peut-être c'était un étudiant, je ne sais plus. Et puis je l'ai appelé, je lui ai dit, mais jeune homme, venez. Tout ce qu'il y a là dans. Si vous perdez ça, il dit non, c'est sa fortune, grand frère, je n'ai plus rien d'autre. Il dit, tout ça peut être évalué à combien? Ne riez pas, mais ça n'atteint pas 100 000 francs, CFA. C'est-à-dire, tout l'héritage de quelqu'un sur terre n'atteint pas 100 000 francs. Et il peut mourir pour ça. Il y avait des vieilles chaussures, des vieux draps, des vieux matelas. Il était en train de déménager, peut-être d'une chambre à une autre, je ne sais pas. Et je lui ai dit de faire le calcul.
Et je lui ai remis cette somme. Un peu plus d'ailleurs. Pas pour le mépriser, mais pour lui dire qu'il pouvait se passer de ses déchets. Donc la vie est une impermanence, c'est une vacuité. Et je tiens à vous préciser que tout ce que je dis, je l'ai fait, hein, avec témoin, parce que nous vivons une époque aujourd'hui où tout le monde cherche quelque chose à dire sur tout le monde. On vit une époque où il ne faut plus d'héros. C'est ça qui me fait mal en Afrique aujourd'hui. Les Noirs ont un problème avec le leadership. Il faut salir tout le monde. Ils engagent une révolution et pendant qu'ils font eux-mêmes leur révolution, ils s'arrangent à se détruire eux-mêmes. À la fin, tout le monde est voleur, tout le monde est idiot, tout le monde est bandit et tout le monde, et c'est eux-mêmes qui le disent. Et les autres croisent les bras et ils regardent. Il dit, vous voyez les petits joueurs? Vous êtes des petits joueurs, puisque vous ne pouvez pas lutter. Vous ne pouvez pas vous organiser en lutteur. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez tous les mots que je vais citer ici tout à l'heure. Troisième point, il faut toujours chercher le bonheur. On ne peut pas être heureux si on n'est pas libre. Et je vais parler de la liberté tout à l'heure. Mais le bonheur, déjà, c'est la même notion de savoir que le bonheur des autres nous concerne. Et or, aujourd'hui, chacun veut être heureux tout seul. Tu ne peux pas être heureux tout seul. Regardez comment la société occidentale est organisée. Ce n'est pas parfait. Mais ils ont partagé le bonheur. Le milliardaire Bill Gates peut manger ses donuts là-bas. On s'en fout. Chaque paysan ici peut manger un bon steak, boire un bon vin, avoir sa petite voiture. Donc le bonheur des autres me concerne, donc il est partagé. C'est ce que nous avions en Afrique. Mais l'égoïsme est entré à un tel point où, quand je vois toutes les femmes des ministres, tous les enfants de riches, tous ces enfants de présidents qui ne font rien en Afrique, ni avec la fortune publique, ni avec la fortune du peuple, je dis... Vous avez encore la solidarité qui n'existe pas. Les gens sont enchaînés dans les hôpitaux parce qu'ils ne payent pas de facture. Vous êtes déjà pauvres. Vous arrivez, vous ne payez pas de facture. D'ailleurs, je profite pour dire que je vais porter plainte à un hôpital suisse de Fribourg qui me harcèle parce que j'y ai fait un séjour en tant qu'assuré en France. J'y étais malade et dans un système esclavagiste. Cet hôpital essaye de me nuire avec des avocats, des ceci, pour me pousser à payer une facture alors que je suis assuré. C'est du vol. On en reparlera. Donc, le bonheur, la joie, la compassion, il faut développer ça. C'est pour ça que nos sociétés aujourd'hui sont des sociétés où les gens sont tristes, sont des sociétés où les gens sont fâchés contre la vie. Sont haineux, sont jaloux. On ne peut pas progresser dans une société où la joie, le bonheur, la compassion n'existent pas. Il n'y a pas de compassion, c'est la mort. On laisse notre jeunesse mourir parce qu'on ne lui donne pas les outils de se développer. Je ne parle pas de la joie éphémère que nous procure la bière ou la cigarette ou la drogue. Ça, c'est une addiction. Ça, c'est la folie, c'est la mort, c'est la prison, c'est la pauvreté, c'est l'esclavage. Je parle d'une joie interne qui vient de la libération du savoir, de la pensée, de la réalisation. C'est ça qui manque en Afrique aujourd'hui. Avoir une société de compassion. Nos grands-parents avaient une vie un peu plus posée. Dans les villages, on prenait les nouvelles de tout le monde le matin. Et les gens se saluaient à distance. Voyez, Kitiye, Monye, Mbolo, Mbolo, Masuro, Zélé, Zélé Mbipe, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Les gens se parlaient. Il y avait de la joie. Parce que l'idée de partager le repas, l'idée d'aller travailler ensemble. Aujourd'hui, cette Afrique est désarticulée. Parce qu'il n'y a plus ces gens qui maintiennent le peuple vers une direction de progrès. Le leadership est mort.
On a plus de gens qui travaillent pour enrichir les autres. Il y a plus de gens qui travaillent pour célébrer les autres, pour ouvrir les portes aux autres. C'est pas mauvais. Mais où est la valeur? Où est la place de la vie, le partage de la richesse? Vous êtes au Congo, vous entendez seulement que 100 000 tonnes de minerais sortent par an. Vous entendez seulement le diamant est sorti d'ici. Vous entendez seulement que l'or, le bauxite, le cobalt sort d'ici. Mais vous ne voyez pas l'odeur. En Afrique, on ne voit jamais les retombées, comme dit Petit Mayombo. Où sont les retombées donc du progrès? Où sont les retombées de la richesse qu'on nous vante? Personne ne les voit jamais. Vous ne voyez même pas la route qui passe. Vous voyez des gens, on vous dit tout le temps, on a coupé le bois est parti en Europe. Hein? Les gens sont venus couper la forêt. Mais les gens dans les villages vivent au Moyen-Âge. Vous croyez qu'un genre, un peuple, un leader qui aime son peuple peut accepter? En réalité, ces sociétés payent parfois des taxes dans la capitale et entre les mains des ministres. Et les ministres transforment l'argent du peuple en villa personnelle à Londres ou à Genève. Et c'est ça, pour ça qu'il faut éduquer les peuples à se lever pour contrôler, bloquer même les routes. Vous ne pouvez pas exploiter le manganèse, le fer dans un village et les gens n'ont même pas la route. Je vous dis que moi, dans mon village, je vis l'une des plus grosses injustices africaines. En dehors que Bolloré et PHP et tout ça m'aient rasé des plantations, je ne parle pas à titre personnel, mais j'ai eu la malchance d'être victime de la richesse de mon territoire et de partant de mon pays d'origine. Dans mon propre village, on exploite le pétrole depuis 1970 à Yassouk. On exploite la terre, la Soka Palm, aujourd'hui rachetée par Bolloré. On plante l'Eveya, la banane aujourd'hui par la PHP. Vous avez donc, sur moins de 1000 km, vous avez 5 multinationales. Vous comprenez que ces gens-là n'ont aucune chance de s'en sortir. Il n'y a plus de terre chez moi, il n'y a plus de région, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de vie. On n'a que des usines qui polluent, qui tuent. Et quand j'ai voulu me battre il y a quelques années, vous avez vu ce qui m'est arrivé et j'en ai payé. Et deuxième chose, d'ailleurs il y a une vidéo d'un jeune qui circule en ce moment. Je n'ai pas eu le temps de suivre, mais ce jeune-là vient du Cameroun et il dénonçait ce qu'on dénonce depuis des années, mais sans organisation aucune. Dénoncer et sceller ne peut pas créer une force. On va vous broyer. Alors, donc, développez votre vie à avoir des sentiments positifs. Les sentiments positifs rendent heureux. Les sentiments positifs, c'est quoi? C'est que vous décidez le matin de dire bonjour à votre épouse, bonjour à vos enfants, bonjour aux voisins. Vous mettez les idées positives là dans la tête en se disant c'est dur, mais je crois en moi. Je vais réussir. C'est pour ça que si vous ne lisez pas les livres, qui va vous aider à lire les livres? Avoir le courage de suivre un traitement psychothérapeutique. La psychothérapie, c'est la confiance. Parce qu'il y a là-dedans, c'est Freud qui a développé toutes ces notions, évidemment. La sexualité refoulée. Mais il faut apprendre, de complexe de supériorité et d'infériorité. Il faut comprendre ce que c'est. N'est-ce pas? L'intelligence et la confiance en soi, le manque de confiance en soi, toutes ces notions-là, c'est ce que je vous apprends. Mais si vous n'avez pas... Donc, quand vous écoutez donc nos coachs qui gueulent là sur Facebook, vous croyez que ces gens-là ont même déjà lu un seul petit livre de psychothérapie un jour? Ils savent que Freud, c'est qui? Ils savent que même diriger la conscience, c'est quoi? Ils racontent de la médiocrité. Ma copine, ton mari a dit que quoi? Et puis tu es coach. Oh, toi là, Jésus a dit que... Et tu es coach. Non, c'est pas ça. Il faut pousser un peu la réflexion. Il faut pousser le savoir pour amener les gens à s'élever. Dans les sentiments heureux dont on parlait, ça vient aussi du fait qu'il faut déjà avoir cette hauteur, cette confiance en la vie. Se dire que je ne suis pas venu sur terre pour rien. Je ne suis pas une poussière. Je ne suis pas une ombre. Je ne suis pas une merde, entre guillemets. Je suis un homme. Et un homme doit se battre. Un homme
doit suivre les pas de la grandeur. Akeva, Akeva, Akeva. Il faut donc avoir ce sentiment heureux, parce que beaucoup croient qu'on est né pour souffrir. On n'est pas né pour souffrir. Quand il fait chaud, si vous mettez la clim, vous allez comprendre que non, Dieu nous a permis d'avoir la clim. Quand il fait chaud et que vous avez un ventilateur, vous vous dites bravo à celui qui a fabriqué le ventilateur. Mais vous, vous savez qui a fabriqué le ventilateur? C'est un homme comme vous. Il a pensé juste à la chaleur. Et d'ailleurs, cette curiosité s'appelle l'intelligence, la curiosité scientifique. Un jour, j'ai remarqué que la climatisation et la radiation, c'est-à-dire, enfin, le radiateur et le climatiseur, c'est la même chose. C'est la loi de la polarité, une chose et son contraire. N'est-ce pas? Regardez bien. Quand vous avez le climatiseur, qu'est-ce qu'il fait? Il aspire l'air chaud, il le rejette et il transforme, et il prend l'air chaud, il le transforme en air froid. C'est le principe du climatiseur, de la climatisation. Quand vous prenez maintenant le radiateur prend l'air froid du dehors et le fait chauffer, le rend en air chaud. Donc toute la vie est cet équilibre entre le yin et le yang, si vous voulez, mais entre le chaud et le froid, entre le radiateur et le climatiseur. Quand il fait froid, vous mettez le radiateur, vous chauffez. Quand il fait chaud, vous mettez la clim. Et l'air chaud sort, l'air froid entre. C'est ce principe-là de la vie. C'est-à-dire, tout est dans la nature. Et même dans la nature se régénère seule. Les arbres, les herbes, aspirent le gaz carbonique et envoie l'oxygène. On inspire, on expire. C'est la méditation qui commence comme ça, mais ça s'apprend. C'est pour ça que je vous forme, c'est pour ça que je vous coach. Et n'ayez pas peur d'apprendre. Donc, et quand on a donc, évidemment, ces sentiments positifs, les jours heureux s'annoncent. Tout commence à marcher. Les enfants commencent à réussir leurs études. Votre femme devient plus belle. Les enfants sont contents. Au boulot, ça marche et tout. Mais quand vous vous levez le matin, elle est toujours fâchée. Méfiez-vous des gens toujours fâchés. On est habitué à souffrir. Et c'est comme ça. Que quand on te dit que oui, ma vie ne donne pas. Moi, je ne réussis pas. J'ai toujours eu la malchance. Moi, c'est... Non, c'est faux. Oh, Dieu m'a maudit. Oh, veillez de prier contre la malchance. Il n'y a pas de malchance. C'est vous qui ne comprenez pas où vous êtes. Veillez de prier contre la sorcellerie. On m'a attaché. C'est faux. C'est faux. Archi faux. Peuple noir, peuple du monde, peuple pauvre, personne n'est assis quelque part et t'a attaché. Il faut juste comprendre comment le monde marche. Et ces lois sont mystiques, sont spirituelles, mais sont visibles. Et les autres ont compris. Pourquoi quand les Européens arrivent en Afrique, eux, ils ne sont pas maudits? Pourquoi quand le Libanais arrive en Afrique, même sans 5 francs, il ouvre la plus grande boutique à Abidjan? Il ouvre la plus grande boutique à Libreville, à Douala? Pourquoi lui n'est pas attaché? Pourquoi il n'est pas malchanceux? Pourquoi toi, tu te lèves le matin, tu dis que tu es malchanceux parce qu'un prêtre ou un pasteur n'a pas, je sais pas quoi d'autre, te l'a répété. Bêtise, tu es bêtise, tu veux rester? C'est fini ça. Personne n'a envie de mourir bête. Je sais que mes lives, vous les aimez. Je sais que vous êtes nombreux. Je sais la force que je dégage parce que nous devons être forts. Celui qui vient tenter de me casser le moral est mon ennemi. Parce qu'on ne tue l'autre qu'en cassant son moral. Pas en lui donnant, pas en lui pointant le fusil. On tue l'estime en soi. On tue la confiance en soi. Et voilà comment tout un peuple porte ses valises et commence à marcher au désert pour finir avec 500 euros en Espagne de salaire. Vous voyez des livres comme ça? Les guérisons miraculeuses de l'ange Raphaël, l'archange.
C'est pas moi qui écris. Si c'est un Africain qui écrit, on va dire qu'il est mystique. Le monde est mystique. Mais cette mystique aujourd'hui doit être maîtrisée, comparée et contenue. Si vous êtes dans l'incapacité de produire du savoir, vous allez tomber dans ce qu'on appelle la spirale du hamster qui fait tourner la roue. La haine. La haine produit la haine. Les haineux ne travaillent jamais ensemble. Dites-moi comment les haineux peuvent travailler ensemble. Or, plus on est heureux, plus on a envie de bâtir, de construire, de faire des choses ensemble. Plus on est libre, plus on s'associe. C'est pour ça que les États-Unis, malgré tout, s'associent avec les USS pour travailler. Les Européens travaillent avec les Russes, mais ils sont en guerre. Enfin, ils nous font croire qu'ils sont en guerre. Les Européens travaillent avec les Chinois. Les Chinois ont acheté tout en France jusqu'au vin. Les Noirs n'arrivent pas à acheter le vin depuis 200 ans que vous êtes là. Même un vignoble, vous avez peur. Quand on est heureux, on a confiance en soi, on travaille avec les autres, on avance. Les haineux ne travaillent pas ensemble. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais de révolution en Afrique. Parce que vous êtes haineux. Les petits révolutionnaires haineux. C'est ça que vous êtes. Les haineux ne vivent pas ensemble. Ils font semblant. Je vous prends un exemple. Les États-Unis ont décidé, parce qu'il y a la crise anglophone, ils ont décidé de geler les avoirs, les visas des quelques dirigeants au Cameroun. Vous vous moquez de qui, chers Américains, chers frères? Mais parce que vous le prenez ces gens pour des idiots, des bêtes. Qui finance les guerres? Qui arme ces gens? Des deux côtés d'ailleurs. Qui finance la guerre? Pour finir la guerre, vous dites aux gens, oui, ils ne vont plus avoir de visa. Est-ce qu'un dictateur qui a 100 milliards chez lui a envie de venir aux États-Unis? Donc, vous voyez comment les relations internationales ne sont pas sincères. Mais parce qu'on vous méprise, on sait que vous, on vous vend de la haine et vous ne pouvez pas vous en sortir. N'est-ce pas? Mais j'adore ça. C'est une leçon pour la jeunesse africaine. Nous devons donc comprendre que nous sommes seuls sur Terre. Personne ne peut venir nous développer. Personne ne va venir vous sauver. Personne. Mais quelqu'un dit qu'il veut arrêter la guerre chez vous, mais il dit qu'il va restreindre les visas. Mais moi, j'ai mes 1 milliard, je tue mes gens là-bas, mais ton visa me fait quoi? Ces gens-là ont 70 ans, ils ont 60, leurs fils sont même américains. Toute leur famille est américaine. Mais lui, il est là-bas, il a ses milliards. Vous dites que le visa, il fait quoi avec ton visa? Vous croyez que si les États-Unis veulent arrêter une guerre, c'est comme ça? Parce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent de vous. Et parce que les gens ne comprennent pas aussi. Et je vois les gens faire les lives pour relayer ça. Honnêtement, vous croyez que si je veux dire à un papa qui tape ses enfants ou qui viole ses enfants dans sa propre maison là-bas, d'arrêter de faire ce crime ignoble, je vais lui dire attention, si tu sors, d'ailleurs tu ne viens plus chez moi. Mais il va dire, je fais quoi chez toi? Est-ce que j'ai arrêté le crime en disant ça? Si je veux arrêter ce crime, je casse la porte, j'entre avec la force et je le mets aux arrêts. Voilà. Mais là, on va vous dire le droit international, les conneries. Donc, les haineux ne travaillent pas ensemble et vous ne pouvez pas être haineux et être libre et guérir. C'est ce qu'on appelle la quête de l'harmonie fondamentale. Et on ne guérit que quand on est en harmonie avec soi-même. Même avec le corps. Si vous suivez les règles que j'ai données depuis 1h30 ce matin, toutes les règles que je vous ai données là, comment être en harmonie avec soi-même, vous guérissez. Vous ne tombez jamais malade. Moi-même, j'ai été malade parfois. Pour la première fois de ma vie, j'ai été malade parce que je n'étais pas en harmonie avec moi-même. J'étais dans des conflits.
Je tentais de me récréer. Je voulais m'accrocher sur ma petite maison, mes petites voitures, mes petits biens, mes petites choses. Et Dieu m'a dit, laisse ça. Tu as un destin plus grand. Va rencontrer du monde. Va vivre. Va porter la bonne parole. Va être le pasteur des bonnes choses. Moi, petit-fils de pasteur. Quelle ironie de l'histoire. J'arrive en Côte d'Ivoire. Les gens sont éblouis, me soulèvent, m'adoptent, m'embrassent, me disent, Pépé, merci de nous libérer de la conscience. Nous sommes embêtés par les gens qui crient dans nos oreilles à tous les carrefours. Le peuple a besoin de toi. Le peuple veut le savoir. Et le peuple africain, la jeunesse, demande l'ouverture d'esprit. Ça s'appelle l'harmonie fondamentale. Akeva. On commence à monter là, n'est-ce pas? Mais c'est parce que vous ne voulez même pas partager le direct. Plus l'énergie monte, plus la puissance monte, plus l'Afrique a des enfants qui maîtrisent. Ici, on n'a même pas besoin. Nous, on a fini l'école. Et occidentale et mystique africaine. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui est fort et formé. Quelqu'un qui n'est pas complexé. C'est tout. Donc, pour obtenir donc la guérison, il faut. Si vous êtes malade en ce moment, appelez-moi inbox. Hein. C'est des miracles de la vie. Des miracles. Je peux vous le dire, il y a des gens qui opèrent des miracles. Parce que sans jouer les médecins, gourous, charlatans, je sais comment on atteint l'harmonie fondamentale. Dieu est une entité. Quand tout est stable, quand tout est bien agencé, quand toutes les lois de la nature sont équilibrées, vous voyez que vous êtes bien. Vous voyez que vous perdez le poids. Vous prenez le poids souvent parce que vous êtes stressé. Vous mangez beaucoup. On grignote. On souffre. On veut tout. Et là, on est obèse. Et un AVC est toujours bien caché là derrière. Et on dit Dieu nous a maudits. Non. On peut revenir à une vie très mesurée. Une vie d'élévation, une vie bien cadrée, une vie de réflexion, une vie de savoir, une vie de bonheur, avoir des sentiments positifs, avoir des sentiments heureux. Et vous voyez donc que vous commencez à rencontrer aussi des gens heureux. Ali Maurice, qu'est-ce qu'on dit? Content. Content? Content. Tout le monde, le matin, c'est content. On ne dit pas bonjour là-bas. Content? Content. Content, 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 moi aussi content, content, toi content. Et toute la journée, vous rencontrez les gens contents, 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 ça contamine. Contamination des contents. C'est une contamination des contents. Alors, c'est fort ça, non? Contamination des contents. Une contamination positive, alors. Hein? Des contents. On ne se contente pas de sourire, mais on est content. Est-ce que vous êtes content ce matin? Dites alors ça au pépé. Vous pouvez pas battre les Juifs. Vous pourrez pas. C'est mes amis. Parce que ce que je fais là, c'est la communauté qui prend en charge le content du pépé. Oui. Vous exigez des lives le matin, le soir, à midi. Il faut être content. Et content, ça veut dire, est-ce que notre pépé est content? Vous dites content. Content. Lui aussi content. Le savoir se paye. Pour que je lise un livre de 160 pages en 3 heures et venez vous l'expliquer alors que je l'ai payé cher moi-même, il faut que ce soit de l'amour. C'est content. Mais il faut pas que les gens croient donc qu'ils exploitent le content. Alors, c'est comme ça qu'on guérit, et la plupart des gens que le guide, le Mpepe guérit, il leur apprend à se prendre en charge, à aller vers l'harmonie fondamentale, et le stress part, on se libère, la conscience renaît, la confiance revient, le travail change. Vous savez même que par votre attitude, vous pouvez influencer votre employeur qui vous déteste, ou vos collègues qui vous repoussent, mais votre manière de les aborder, ça s'apprend. C'est la spiritualité. On commence à vous donner des nouvelles études, de nouvelles places, un nouveau bureau, un salaire qui augmente parce que vous devenez harmonieux avec vous-même. Content? Content.
C'est ça la vraie médecine. Vous savez, on dit, c'est Hippocrate qui le disait, mais la médecine soigne. Ah, mais c'est la nature qui guérit. Il faut donc apprendre quelle est votre propre nature, c'est quoi la nature, c'est quoi la fondamentalité même de votre être, et puis là, ouais, vous devenez un homme heureux. La médecine ne guérit pas, la médecine soigne. Qu'elle soit ancestrale ou moderne ou occidentale, elle soigne. C'est la nature qui guérit. N'est-ce pas? C'est les lois de la vie que je suis en train de vous donner. C'est ça qui va sortir dans mon prochain livre. Le livre en train d'avancer. Ma rencontre formidable, avec un homme formidable, avec des gens formidables. Tout ce que j'ai eu de positif dans ma vie. Comment je suis parti du bas-fond pour relever le défi, le challenge de revenir au sommet. C'est ça qu'on appelle la guérison. C'est la nature. Une personne heureuse ne peut pas faire du mal aux autres. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Soyez donc heureux ce matin. Lâchez prise. Vivez. Embrassez. Même si la vie est dure. Même si vous ne savez pas ce que vous allez manger demain. Même si vous ne savez pas. Même si vous avez perdu votre travail. Même si votre épouse vous a abandonné parce que vous êtes pauvre. Même si votre femme est partie parce que vous n'êtes rien. Même si votre mari est parti parce que vous ne donnez pas assez de stabilité, vous n'avez pas d'enfant, ne vous découragez pas. Même si vous dormez seul tous les jours, dites-vous qu'il faut devenir une belle personne, souriante, harmonieuse. Vous allez trouver l'âme sœur. C'est un autre cours. Allez, on donne, on reçoit. N'est-ce pas? On donne sur soi, sur l'autre et sur l'environnement. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 8h15. On a fait 1h26 minutes. Je suis fier, mesdames, messieurs, d'avoir fait cette conférence ce matin avec vous. Partagez-la massivement et dites-vous que le guide Pépé est là pour vous. On se retrouve tout à l'heure, en soirée, après le match. Commandez ce livre. Il va vous sauver la vie. C'est un parcours exemplaire d'un homme qui n'a jamais baissé ni le froc, ni le bas, ni les yeux. C'est un parcours d'un homme qui est, contre toutes les adversités, toujours sorti champion. C'est un parcours de vie. Pour ceux qui veulent se faire former pour atteindre cette harmonie fondamentale, c'est mon travail. Je suis ouvert, écrivez-moi. Et ceux qui veulent intégrer Akeva Bank, notre petite banque, qui n'est pas une banque fictive de la crypto-monnaie. La preuve, on n'en parle plus trop. Les crypto-monnaies, là, fuient eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries là-dessus. Nous, on a créé l'idée de notre banque pour faire un collectif de gens qui réfléchissent ensemble et qui lèvent leurs petits fonds et qui font aboutir leurs projets. Sinon, c'est la mort. Allez, bonne journée à Keva. Je suis fier de vous.